Bonjour et bienvenue sur Télégoël, c'est l'heure de vos infos locales. Voici le sommaire de votre JT du vendredi 20 septembre. Le département distribue des calculatrices. Trois rues ont été inaugurées dans la zone industrielle des Alouettes de Liévin. Le salon du livre de Bully-les-Mines, le stade couvert de Liévin aux couleurs de la Pologne. La bibliothèque numérique du département est à disposition des avionnais. Retour sur le Olsen's Tattoo à Saint-Angoël. Notre coup de loupe de la semaine vous invite à manger bio et local sur la région et plus précisément à Vimy. Du sport avec la conférence de presse d'avant-match du Racing Club de Lens. Les Lensois se déplaceront à Caen. Mais on débute tout de suite ce JT avec une signature de convention avec le SDIS. La semaine dernière, le SDIS 62, le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, a signé des conventions de coopération avec les communautés d'agglomération de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin, ainsi qu'avec les partenaires emploi du territoire. Ces conventions ont pour principal objectif d'accompagner les sapeurs-pompiers volontaires en recherche d'emploi vers un emploi durable sur une base de volontariat. L'intérêt, c'est de signer une convention, on va dire une bonne fois pour toutes, et puis de venir agréger après différentes actions. On travaille par rapport à la politique de la ville, on veut aller chercher les gamins dans les quartiers prioritaires de la ville, on veut travailler sur la féminisation, sur les jeunes sapeurs-pompiers, voilà, plein de choses. Et ces conventions, une mise en relation des différents partenaires. On a commencé avec la première convention, c'était la communauté urbaine d'Arras, et on a vraiment des résultats très probants. Nous avons 600 sapeurs-pompiers volontaires sur les deux agglos dont nous avons signé les conventions, sur un total de 3500 sapeurs-pompiers volontaires sur le département. Voilà. Donc vous voyez, c'est un chiffre important, ça veut dire que les sapeurs-pompiers volontaires sont incontournables pour réaliser toutes les missions qui nous sont dévolues, et qu'il nous semble normal d'y prêter une attention toute particulière. C'est un engagement de nos structures que sont la mission locale, le PLI et la maison de l'emploi pour accompagner les sapeurs-pompiers volontaires dans leur recherche d'emploi. C'est vrai qu'on est dans une période où de nombreux projets voient le jour sur notre territoire, et de pouvoir aussi mettre en avant un engagement au service d'autrui au travers les sapeurs-pompiers volontaires dans leur recherche d'emploi, les aider vraiment à s'insérer d'une façon différente, complémentaire à leur engagement au sein des casernes de notre territoire. C'est aussi quelque part un engagement civique qu'ils font, et quand on veut développer une école de jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi de les prendre dès le plus jeune âge, de leur montrer aussi que cet engagement-là a encore de l'avenir, mais en même temps de les accompagner parce que leur quotidien, c'est aussi la recherche d'emploi, c'est un engagement volontaire complémentaire à leur activité, et donc on les aide dans leur recherche d'activité. On travaille surtout sur la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires. Quand on regarde les moyennes nationales, nos sapeurs-pompiers volontaires, mais même au niveau national, sont de plus en plus sollicités. On a de plus en plus de mal à les fidéliser. Donc voilà, il y a un plan d'action qui est sorti, un plan d'action national avec 37 mesures, et on est en train de mettre en œuvre ces 37 mesures. Pour fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, il nous semble important qu'ils aient un emploi. Qui puissent concilier cet emploi avec une activité de sapeurs-pompiers volontaires et avec leur vie privée. Voilà, c'est comme ça qu'on a des sapeurs-pompiers volontaires qui sont entre guillemets stables, et qu'on les conserve dans nos rangs. Mais le saluer en tant que premier vice-président du département, principal financeur. Aujourd'hui, il est impossible de travailler au collège sans calculatrice. C'est pourquoi chaque année, en début de 6e, le département offre plus de 20 000 calculatrices aux nouveaux collégiens. À Avion, c'est Jean-Marc Tellier et Audrey d'Autriche qui ont remis à 6 classes du collège Jean-Jacques Rousseau le précieux sésame. Dans les semaines à venir, toutes les classes de 6e des villes environnantes seront visitées par les conseillers départementaux pour une nouvelle distribution de ces calculatrices. Où l'ensemble des conseillers départementaux viennent distribuer au 6e cette calculatrice. Alors on a dévoilé, alors là c'est l'histoire quelque part, c'est la mémoire, le souvenir, on a dévoilé trois noms, trois plaques qui portent trois noms, trois beaux noms. Il y a d'abord l'ancien maire de Saint-Angoël, Jean-Luc Véry,
Le maire également, qui n'était pas maire, il est adjoint au maire, pardon, de M. Cato, qui est Robert Cato, qui était adjoint au maire à Aix-Noulette, et puis le maire de Los Angeles, Marcel Caron. Et pourquoi ces trois noms? Parce que ces trois hommes ont participé avec Michel Vancaille, avec Jean-Pierre Cucheda, avec Alain Lefebvre, le maire d'Aix-Noulette, qui est toujours présent. Eh bien, ils ont participé à ce qu'on appelle le renouveau économique de ce territoire. C'était effectivement à la fin des années 70, début des années 80. Ah, les mines, la récession, fermeture, des milliers d'emplois qui sont supprimés. Et ces hommes-là se sont regroupés, se sont réunis, ont uni leur énergie et ont créé ce qu'on appelle des syndicats à vocation économique, ont créé un comité de développement économique. Et ces syndicats, c'est ce comité de développement économique qui a créé les zones d'activité, les zones industrielles, qui a permis l'implantation d'entreprises. Et sur la première phase de la zone industrielle des Alouettes, sur ces 1000 emplois par exemple de la zone industrielle, nous les devons à ces hommes-là, à l'énergie qu'ils ont dégagée. Et donc c'était une manière pour nous de leur rendre hommage, et je tiens moi particulièrement toujours, parce que c'est indispensable, nous ne sommes pas là par le fruit du hasard, nous ne sommes là parce qu'il y a eu avant nous des hommes, des femmes qui se sont investis sur ce territoire, et ces trois hommes-là ont été des grands artisans du renouveau économique de ce territoire. Donc c'est une forme de reconnaissance, et je tenais particulièrement à ce que ces trois noms-là apparaissent sur la seconde phase de l'extension de la zone industrielle des Alouettes. Des auteurs régionaux de l'Oise, la Picardie, la Somme ou encore le Nord étaient réunis au Centre culturel Édouard Pignon pour la deuxième édition du Salon du Livre de Bully-les-Mines. À l'occasion des 25 ans de la bibliothèque et l'inauguration des nouveaux locaux rénovés, petits et grands ont pu s'adonner à la lecture sans compter. À l'occasion d'une part des 25 ans de la bibliothèque et d'autre part, on a inauguré là ce matin à 11h la bibliothèque relookée, en fait, puisqu'il y a eu des travaux de rénovation ici dans le hall et un peu dans le restant de la bibliothèque avec une nouvelle signalétique et un réaménagement. Voilà, donc c'était l'occasion de marquer le coup, de réinviter des auteurs qu'on avait déjà eu l'an dernier et des nouveaux pour qu'ils puissent partager en fait ce moment et cet événement avec nous. On organise régulièrement à des temps précis de l'année des actions, que ce soit par exemple soir Halloween, le spectacle de Noël, le printemps des poètes chaque année au mois de mars, etc. Donc on propose des ateliers créatifs pour les enfants. Pour nos horaires d'ouverture, donc nous sommes ouverts du mardi au samedi inclus. Donc mardi et vendredi, les horaires d'ouverture 14h-18h30. Le mercredi et jeudi, nous sommes ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h30 également. Et le samedi, l'ouverture est en non-stop 10h-18h. Voilà, et nous avons un site internet, une page Facebook, donc Espace Culturel Édouard Pignon. Donc on utilise surtout notre page Facebook qui nous permet de mettre voilà, toutes les informations bibliothèques à chaque fois qu'on organise un événement comme celui-ci. Tout est gratuit, c'est sur simple inscription, mais tous nos ateliers sont gratuits, nos animations sont gratuites. Il suffit juste de s'inscrire pour réserver une place, c'est tout. On propose des contes, lecture de contes également, régulièrement, voilà. Samedi dernier, le sol du stade couvert de Liévin a vibré sous les pas incessants des danseurs et danseuses de la région, venus plus de 1500 participer à la manifestation. Dégustons la Pologne organisée par l'association Paul Cabaret. On se doit d'être court. Je voulais tout simplement être là pour cette formidable initiative de Laurent, tout simplement pour vous dire merci.
au nom de la région des Hauts-de-France. Remercié par Laurent Duporge, maire de Liévin, et Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, les 1500 personnes, d'origine ou pas polonaise, ont pu assister à un spectacle original présenté par notre Natalka, que vous retrouvez chaque semaine dans son magazine Si on sortait, autour d'un bon repas. Le centenaire de l'amitié franco-polonaise débute bien avec la ferveur musicale et gastronomique que l'on connaît bien chez les ch'tis polonais. Depuis le 14 septembre dernier, les abonnés de la médiathèque Émile Zola d'Avion ont accès à la bibliothèque numérique du conseil départemental. Alors la bibliothèque numérique départementale est un service qu'on a lancé en 2017 sous l'impulsion du ministère de la Culture, dans le cadre du label numérique de référence. C'est un site qui se veut un kiosque culturel en fait à destination des usagers des bibliothèques, qui va permettre d'accéder à une offre culturelle de livres, de musique, de vidéos, d'auto-formation, de la presse également. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On touche à peu près 20% des inscrits en médiathèque qui ont utilisé ou qui utilisent régulièrement le service. Je pense que le facteur de réussite, c'est d'avoir eu une offre qui va répondre à peu près à tous les goûts. Je veux dire, tout le monde peut se retrouver. C'est une offre qui est faite pour toute la famille, puisqu'il y a de l'album jeunesse, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des livres pour enfants, beaucoup. Et les bibliothèques locales, les bibliothèques de proximité peuvent accompagner les usagers dans l'installation des logiciels et la prise en main, finalement, de notre offre numérique. Le principe est assez intuitif et on a essayé d'être le plus simple possible pour l'usager. Qui est né du cerveau d'Anthony il y a plus d'un an, et qu'on a accompagné par intérêt, pas financier mais intérêt artistique, donc une convention qui est née l'année dernière et qui a attiré tout de suite beaucoup de monde du fait dans un premier temps c'est le lieu qui est juste magnifique, magnifique église désacralisée art déco. Et on a travaillé en partenariat avec Claude de Lille au tatouage, qui était notre directeur artistique, qui nous a permis de rentrer dans ce monde du tatouage. Et voilà, donc comment est né l'événement comme ça. Et puis on a essayé de tout mettre en place sur les conseils de Claude pour accueillir de mieux possible les tatoueurs, mais aussi les gens qui vont fréquenter l'événement. Et voilà, et puis cette année encore, deuxième événement, donc on s'est un peu agaillardi sur l'événement et qu'on a essayé de mettre les choses en place le mieux possible, essayer de se nourrir des erreurs de l'année dernière pour progresser. Donc du coup, c'est un événement qui propose 22 tatoueurs de tout style confondus. Ça vient essentiellement des Hauts-de-France, mais aussi des régions voisines, donc pouvoir toucher un panel de monde plus important. Il y a des gens qui ont déjà rendez-vous avec des tatoueurs, c'est l'opportunité pour certaines personnes d'avoir un rendez-vous avec un tatoueur plus rapidement, parce qu'il est disponible. Après, il y a des personnes qui sont simplement curieuses et qui vont avoir le coup de cœur sur des flashs proposés par les tatoueurs. Puis après, il y a juste simplement des curieux du tatouage qui ne connaissent pas le monde, ce milieu forcément. Donc c'était aussi notre volonté à nous trois de pouvoir proposer ça au plus grand nombre, à des familles entières, et puis justement de faire découvrir cet art qui est de plus en plus répandu, mais dans une ambiance plus conviviale. Une troisième édition, s'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Mais ouais, si, on aimerait bien. Enfin, après, je pense que les gens sont appropriés l'événement et sont présents. Donc il n'y a pas de raison qu'on recommence pas l'expérience.
Manger bio et local, c'est idéal. Au Jardin des Mouchons à Vimy, Guillaume Pinte est un ancien cadre reconverti dans la filière bio. Alors là, vous avez les courges d'hiver qu'on va plus trop tarder à récolter. Et vous avez notamment la magnifique Giraumont de Turban. Les courges, il y a une variété absolument incroyable, tant en termes d'apparence que de goût. Voilà, tu vois, il y en a encore un autre beau bébé là-bas, dans le genre. Ah, pour les courges, je pense que ça ira pour cet hiver. Reste à les conserver. J'ai lancé l'exploitation il y a 3 ans parce que je voulais redonner du sens à mon travail et puis permettre aux gens de manger sainement et non pas de s'empoisonner en s'alimentant. Et donc voilà, j'ai lancé ce petit site de maraîchage en permaculture grâce aussi à l'assaut de l'air des Pichoulis qui m'a bien aidé à me former et bien trouver les méthodes. Et voilà, je suis dans la perspective de cultiver en harmonie avec la nature et permettre à chacun d'y trouver sa place. Nos petites amies les abeilles là-bas, nos alliés, voilà, qu'on voit faire leurs petites allées et venues. J'ai cette chance-là d'avoir un cadre magnifique, on est en plein cœur de Vimy et puis t'as l'alignement des pâtures, t'as tous ces fruits luxuriants et puis voilà, quoi, la compagnie des vaches, c'est toujours appréciable. Alors j'ai un petit peu de verger, de fruits, notamment des petits fruits rouges, des petits produits très très frais. Après moi je suis beaucoup sur des variétés anciennes assez rares, des variétés de tomates assez rares, des variétés d'aubergines, de poivrons, de piments. Donc voilà, on est arrivé dans la serre qui est un peu le cœur d'activité, hein, surtout quand on habite dans le nord. Et donc ce qui permet d'avoir des piments de couleur, des poivrons de couleur. Donc là le piment bonbon pepperoni. Après, on va avoir les calabrés un peu plus haut, les rouges bien pétants, qui sont bien riches en goût, croyez-moi. Et puis après, dans les aubergines, vous avez quelques aubergines classiques, mais vous avez aussi l'aubergine de la Rotonda Bianca, qui est une variété pas très courante, pour le coup. Elle est absolument magnifique et très goûteuse. C'est la nature qui nous a fait toutes ces petites merveilles. Ouais, tu vois, ces petits poivrons tomates, là... Je trouve ça vraiment trippant aussi. Alors manger bio et local, c'est idéal. Voilà, c'est la campagne que mène Bio en Haute-France, l'organisation des producteurs bio de la région depuis quelques années, qui permet un peu de découvrir les exploitations de mes confrères, que ce soit des laitiers ou autres. Les légumes et les fruits et légumes, c'est fait pour être du circuit court, pour avoir de la fraîcheur, pour avoir toutes les vitamines, pour avoir tout le goût, pour avoir toute la qualité, pour que ce soit des produits qui sont cueillis à maturité, qui ne sont pas réfrigérés et qui gardent toute leur qualité aussi bien gustative que nutritive. Et puis tomates, là c'est vrai qu'on vient de tout récolter, mais on a de la petite black cherry jusqu'au cœur de bœuf japonica, la berra au noir, il y a de la tomate ananas par là-bas, il y a encore des japonica ici. De la slancar aussi. Voilà, il y a une diversité, on est sur 25 variétés différentes en tomates anciennes. Manger bio, local et de saison, c'est bon pour la santé, mais également pour le climat. Du 20 au 29 septembre, Bio en Haute-France vous invite chez vos producteurs locaux pour découvrir leurs produits. Moi, je fais toutes mes ventes en fait le vendredi matin sur le marché de Lens, le vendredi après-midi chez moi de 15h30 à 20h et le samedi matin à Arras sur le marché Place de la Vacquerie. Et ça me permet de pouvoir tout vendre sur moins de 48 heures et donc de m'assurer de la fraîcheur des produits. Et voilà, vous êtes sûr que c'est du bio, que c'est du français et que c'est du bon, quoi. Moi, je trouve qu'on est, on a fait plutôt un des bons débuts de championnat. On a eu un petit trou, surtout avec le match de 3. Et depuis 3, mine de rien, sans être super, en changeant les systèmes et puis en ayant été obligé de changer les joueurs pour faire une rotation pour la Coupe de la Ligue, on doit être sur 2 victoires à 0. Donc, on n'est pas resplendissant, on n'est pas brillant. Mais on est persévérant. Je trouve plus dur à accepter, c'est notre match pauvre à 3. Quoi. Même si on perd 1-0 sur la première mi-temps alors qu'on concède aucune occasion de but. Il y a des circonstances aussi pas très favorables. Mais voilà, on peut se faire surprendre. Et puis on voit le très bon début du Havre par une équipe à domicile. C'est le match de 3 qui a
qui est plutôt resté en travers de la gorge dans le contenu puis dans le résultat aussi. Mais on a vite tourné la page, puisqu'après on a gagné en Coupe de la Ligue, on a fini la Grenoble, on vient de gagner à Châteauroux, sans être brillant. On avait absolument besoin des trois points, on les a pris. Maintenant, on sait très bien analyser les matchs, on est conscient des choses qu'on doit améliorer, évoluer. Et on est conscient aussi qu'un match, le suivant ne peut pas ressembler au précédent et vice-versa, quoi. On voit bien, on a renoué avec la victoire, c'était important, même si on avait connu la victoire en Coupe de la Ligue. On est, je crois, avec les deux compétitions sur 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le bilan n'est pas catastrophique, mais en championnat, il est pas assez bon. Donc on veut enchaîner, après un nul à Grenoble, après la victoire contre Châteauroux, au niveau des résultats. Y a déjà des joueurs de qualité, et puis je trouve que c'est un bloc équipe qui embête pas mal les adversaires. Je trouve qu'ils ne sont pas très en réussite non plus au niveau efficacité. Souvent, il y a des matchs où il y a un ratio occasion concédée, occasion obtenue qui est défavorable. Donc on se méfie de cette équipe. Pour nous, c'est une équipe qui descend de Ligue 1. Descendre, c'est jamais facile à digérer. Il y a beaucoup de mouvements. On sait que les mouvements dans un groupe, ça compte. On le voit, nous, avec le mercato, qui a mis un peu d'instabilité, et il faut qu'on retrouve une certaine homogénéité au niveau du jeu et de l'état de forme des joueurs. Donc non, souvent ça arrive que des équipes aient du mal à digérer la descente, mais on sait qu'ils ont un bon potentiel et qu'à un moment donné, cette équipe va se réveiller. Une rencontre importante pour les deux équipes, je pense que ça va l'être toutes les semaines, d'autant plus deux postulants pour le haut du tableau. Donc, et les deux équipes ont besoin de points. Personne ne peut laisser des points en route. Donc ça va être un match âprement disputé.